Et quand je dis grande voix, eh bien, c'est peu de le dire. Bonjour Farrell Dibani. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes mezzo-soprano et on vous surnomme la Carmen égyptienne. Voilà pourquoi. Vous êtes égyptienne, francophone. On dit que le français est moins facile à chanter en lyrique. Est-ce que vous confirmez? Oui, je confirme ça, tout Pourquoi? À fait. Parce que je trouve la langue française, c'est une langue très souple. Il y a une certaine souplesse et élégance dans la langue qui marche avec la musique. Et il y a beaucoup des chanteurs francophones aussi, dans le monde entier, en général. Carmen, c'est un rôle qui vous parle hein, particulièrement, je crois. Ah oui, Carmen, c'est un rôle qui est très proche de moi, en fait. Moi, j'adore la musique de toute l'opéra et chaque fois quand je chante, je découvre des nouvelles choses dans ce rôle-là. Mm-hmm. C'est jamais fini pour moi. Alors, vous chantez Carmen, mais vous chantez Dalida aussi. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Petite, petite en Égypte, vous avez grandi avec sa musique, la musique de Dalida. La culture française était très présente en Égypte? Oui, en général, la culture française est très, très forte en Égypte. Même si on ne parle pas le français, cette génération, ils parlent plutôt l'anglais. Mais par contre, la culture française et la chanson française, c'est très présente. Mm-hmm. Moi, j'ai grandi avec les chansons de Dalida, d'Aznavour, d'Edith Piaf, Mireille Mathieu. Et même si je n'étais pas francophone de base, je suis germanophone ou anglophone, mais quand même le français était très présent et Dalida surtout, c'est une grande passion. Dalida est née comme vous en Égypte, elle a démarré sa carrière en France. On dit que vos voix se ressemblent, est-ce qu'elle vous inspire? Est-ce que c'est un peu votre double? C'est pas un double, non, elle n'est pas un double, ça c'est sûr, elle est une autre, elle est une icône, mais elle m'inspire. Même dans l'opéra, elle m'inspire. Comment? Parce qu'elle est très théâtrale. La façon comment elle est, sa charisme sur scène et tout ça, ça m'inspire beaucoup. Sa voix aussi. Comment elle chante en français. J'adore. L'arabe est votre langue maternelle, votre langue d'origine. Oui. On va continuer à parler tout en vous écoutant. Je vous propose qu'on continue à écouter Dalida avec cette chanson sortie en 79, Halwa ya Baladi, donc une chanson en arabe. Peu de chanteurs lyriques viennent du Proche-Orient. C'est une histoire de culture? Qu'il y a peu de chanteurs? Oui. Non, il y a plein de chanteurs, en fait, dans le Moyen-Orient, mais qui ne chantent pas l'opéra. Ça c'est vrai. Parce que l'opéra, c'est un art occidental, en fait. Mais il y a beaucoup de chanteurs et chanteuses qui viennent du Moyen-Orient, comme Om Kalsoum, par exemple, ou Fairouz. Mais ce n'est pas de l'opéra comme on l'entend... C'est pas de l'opéra, non. Comme on l'entend à l'Opéra de Paris, où oui, vous avez été, par vrai. Exemple. Oui, c'est vrai. C'est vrai, non. C'est pas beaucoup. Lors d'un concert en Égypte, vous avez chanté la flûte enchantée de Mozart en arabe. Est-ce que ça marche? Oui, ça marchait très bien. C'est vrai? Bizarrement, oui, parce que je pense que Mozart, il a écrit cette musique pour cette langue.
langue égyptienne, en fait. Mm-hmm. Parce que le sujet, ça vient d'Égypte, bien sûr. Si vous connaissez la flûte enchantée, il y a Osiris et Isis et tout ça. Et je pense, bizarrement, ça marche très bien. Vous arrivez là juste à nous, un tout petit extrait, juste une phrase, je sais que c'est, vous n'êtes pas échauffé, etc. Mais juste pour avoir une idée de ce que ça pourrait donner. C'est bizarre. Maintenant, je n'ai pas dans ma tête. C'est pas grave, c'est une question piège. Dernière question, et on terminera là-dessus. Est-ce que vous, monter un apara en arabe, ça pourrait vous tenter? Ah oui, ça me tente beaucoup, beaucoup. J'ai chanté pas mal des airs lyriques en égyptien. Et c'est très intéressant toujours, même pour le public occidental. Mais non, mais il n'y avait pas un opéra arabe-arabe jusqu'à aujourd'hui. Mais bon, j'espère qu'il y aura. À vous de l'inventer alors. Peut-être, peut-être. Dimani, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 64 minutes. Merci.